Jó napot kívánok! A kicsit hosszabb nyári szünet után most újra itt a Ponteo, a Pannon Televízió Európai Uniós magazin műsora. Láthatták, megújult a főcímünk, és egy kicsit új külsőt kapott a műsor, a tartalom azonban a régi. Továbbra is az Európai Unióban élő emberek hétköznapjait szeretnénk önöknek megmutatni. A mai adásban szó lesz a roaming díjak eltörléséről. Bemutatunk két fiatalt, akiknek megváltoztatta az életét az unión belüli mobilitás lehetősége, és szó lesz az internetes sütikről is. Tartsanak velünk! 2017-ben az egyik legfontosabb, a hétköznapi embereket is érintő történés az unióban az úgynevezett roaming díjak eltörlése volt. Vagyis, hogyha egy uniós állampolgár egy másik tagországba utazik, akkor már nem kell többletdíjat fizetnie, hogyha telefonál, SMS-ezik vagy internetezik. Hogyan élte meg ennek a 10 éves harcnak a végét az egész kitalálója, most megmutatjuk. L'élimination des frais de roaming, c'est la restauration de la liberté pour le citoyen de circuler, de se sentir chez lui, de ne plus devoir payer pour traverser une frontière, mais de voir l'Europe comme son domicile à lui. Donc pas seulement là où il habite, mais toute l'Europe est à lui, et c'est symboliquement très fort. L'idée a commencé en 2004 parce qu'il y avait de plus en plus de parlementaires qui disaient nos citoyens se plaignent parce qu'ils s'ils vont à l'étranger avec leur portable, ils payent des factures énormes. Eh bien, il fallait faire quelque chose. Première loi, 2007, moins 60%. Dernière loi, 2017, plus de roaming du tout. Au début, tout le monde était contre, pas le Parlement. Le Parlement soutenait toujours les consommateurs, les citoyens, mais le Conseil des ministres était contre à 100%. Il fallait un à un persuader les capitales pour qu'elles travaillent non pas seulement dans l'intérêt des entreprises, mais aussi dans l'intérêt des citoyens. C'était une armée de lobbyistes qui se déversaient non seulement à Bruxelles, mais surtout dans les capitales pour persuader les ministres de ne pas bouger. C'est très rare quand même qu'un combat politique dure pendant 10 ans. Trois générations de parlementaires, si vous voulez. Et il fallait mettre ça noir sur blanc pour que ce ne soit pas oublié. Il y aura encore beaucoup d'autres entraves à cette liberté qui devront être éliminées. Par exemple, avoir accès au contenu plus facilement dans quelques pays qu'on se trouve. Et aussi pour les entreprises, ne pas devoir répondre à 1000 règles qui sont différentes selon le territoire. Ön milyen gyakran vásárol új mobiltelefont? Évente? Két évente? Ha az előző megkarcolódik, nem olyan gyors vagy nem olyan divatos? Műszaki cikkeink közül a mobilunkat cseréljük a leggyakrabban. Az Európai Parlament szeretné arra ösztönözni a felhasználókat, ha lehetséges, inkább javítassák meg mobiljukat, ahelyett, hogy újat vásárolnak. Smartphones, printers, washing machines, dishwashers, coffee makers. Most people buy new ones every 1 to 4 years. Irreparable and unfashionable, these bots are often thrown out, creating tons of waste that is hard to recycle. The European Parliament is taking a closer look at products' life cycles with one aim: to reduce waste, be it of energy or raw materials. En général, je change mes téléphones tous les deux ans. 2 ans et demi, 3 ans. La dernière fois que j'ai changé, c'était il y a un an et demi. Shattered screens, burnt out batteries, smartphones are at the top of the list of appliances with the shortest lives. Whether in Finland, Germany or the Netherlands, entrepreneurs are searching for solutions. This particular company invented a modular phone.
Each part can be repaired or replaced. For the screen, you really don't need any tools. With a normal screwdriver, you can unscrew all the elements of the phone. If anything should break, you can repair it entirely yourself. Richard Golder mends 5 machines a day in his workshop in Strasbourg. Household staples like Hoovers, irons, and microwaves all get a second lease of life here. Like this blender bought more than 25 years ago. Normalement, on devrait repartir pour encore 10 ans. Quand on achète du matériel de qualité, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Les composants électroniques sont de bonne facture et durent longtemps. Quand on prend du premier prix, on ne met pas des composants qui ont une résistance très longue. Il faut que ça dure un temps, point barre. MEPs want to set minimum resistance criteria to lengthen the life cycles of products. But repairing is not always possible. That's what this consumer watchdog in Brussels is worried about. Souvent, on a des pièces qui sont collées entre elles, qu'on doit casser en fait pour pouvoir réparer. Enfin, il est impossible de les réparer. Ou alors, les pièces sont intégrées dans un très grand ensemble. Donc, en fait, il faut changer tout l'ensemble. C'est impossible de réparer la pièce de manière individuelle. Et en plus, quand on veut faire réparer aujourd'hui, le coût est complètement prohibitif. Parliament wants to encourage restorable products. One suggested measure would be to ban all parts that cannot be removed. Lawmakers also want consumers to be better informed about a product's likely life cycle. Quand un consommateur voit un produit qui est 30 ou 40% moins cher et qui a priori a les mêmes performances, s'il n'est pas informé sur la durabilité du produit, c'est-à-dire sur le fait que cette machine va tomber en panne au bout de 2 ans au lieu de tomber en panne au bout de 10 ans, évidemment il va vers le produit le moins cher. Quality is what this Swedish apartment block is all about. An important distinction being that Eline Blanchereau does not own her washing machine. She shares it with her neighbors. Ja, fördelen med att ha ett gemensamt tvättstuga är att du behöver inte ha någon tvättmaskin hemma. Så då tar det ju mindre plats och du kan ha annat då istället. När man har en maskin här, den är väldigt bra kvalitet. Om det är något fel, då kommer de att fixa direkt. Du behöver inte ta hand om någonting. A circular economy model is what European lawmakers seek to promote. Donc l'économie d'usage, l'économie de la fonctionnalité, c'est une économie extrêmement importante. C'est un vrai virage dans la logique. C'est de dire, ne soyons plus nécessairement propriétaires de tout et essayons de partager. More and more consumers are keen on this kind of behavior. On voit que le car sharing, par exemple, se développe de plus en plus. On voit toutes sortes de plateformes de partage, par exemple, pour des outils de bricolage. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une foreuse à la maison, on l'utilise environ 7 minutes par an. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de la posséder? According to the 2014 Eurobarometer, 77% of consumers in the EU would rather repair their products than buy new ones. 92% want to be better informed about how long what they buy will last. C'est bon pour l'emploi en Europe, c'est bon pour les entreprises parce que leur image de marque va monter, c'est bon pour les consommateurs parce qu'ils auront de meilleures informations, c'est bon pour le secteur de la réparation qui va pouvoir se redévelopper et donc créer de l'emploi, et c'est bon évidemment pour les ressources et les matières premières parce qu'on va arrêter de jeter. A közös fúró jó ötletnek tűnhet, de hogy ne cseréljük le 10 éven át a mobilunkat, nem tudom, hogy működne. De most jöjjön valami más. Itt a Pont.eu-ban már korábban is rendszeresen foglalkoztunk az Erasmus diákcsere programmal. Most ismerjenek meg 2 fiatalt, akiknek ez a program teljesen megváltoztatta az életét. Jöjjön egy nő, aki Görögországban a szerelmet is megtalálta, és egy férfi, aki Magyarországon, Budapesten kezdett új életet. I arrived here. I think it was just this in this platform. I left from south part of Italy, from Calabria, and I arrived in Venice the day after. On the evening, I start again to Budapest. I think it was really important for me to
to cover this distance with my dreams. And I think Erasmus is it's also a kind of dream for young people who go abroad to study. Je m'appelle Christine et je suis française. J'ai fait mes études à l'école d'architecture de Bordeaux. Et lors d'un échange Erasmus, j'ai choisi la destination d'Athènes. Et je m'étais dit, j'ai envie de continuer mon expérience à l'étranger. Quand j'ai emménagé ici, en fait, à la fin de mes études, les conditions étaient plaisantes, la ville est très belle. So this is a part of my job that I like particularly. So it's related to cinema. So I teach at the university. We try to spread your Italian culture like through cinema. When I was Erasmus, I met people in this cinema that organize festivals, and I think this is a kind of European aim to meet each other and to spread in this way the culture. Je suis restée un an à Athènes et ça a été la meilleure année de ma vie, tout simplement, je pense. C'était la découverte, vraiment, d'une nouvelle ville, d'une nouvelle école d'architecture également, mais surtout des nouvelles rencontres, un nouveau pays à visiter. Et c'était vraiment, oui, un sentiment de liberté. Juste avant Noël, bon, une soirée étudiante tout simplement. On était souvent avec le groupe des Tchèques, les Français et les Tchèques, ça marchait plutôt bien, on s'entendait bien. Et donc j'ai rencontré Shimon et on a commencé à sortir ensemble en fin d'année. Est-ce que tu as la de la forêt, l'hibou? L'hibou, oui. Bonne pioche! Fais voir, il faut la montrer, bravo, t'as de la chance. Le fait d'étudier un an à l'étranger, ça m'a permis en fait d'être moins concentrée sur moi-même et sur le fait d'être étudiante française, architecte. C'est vraiment de s'ouvrir complètement à l'Europe, au monde, et de ne pas rester centrée sur ses petits soucis quotidiens. C'est vraiment voir les choses complètement autrement, apprendre à s'adapter, à se débrouiller dans plusieurs langues, apprendre à communiquer, à être, pas avoir peur non plus, de pas être timide. Ich glaube, das stärkt Toleranz und Respekt voreinander, auch vor der Unterschiedlichkeit, die wir in der Europäischen Union haben, die, glaube ich, ein großes Fund ist. Und insofern, glaube ich, stärkt es auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Europäischen Union. Und das ist ja das, was wir immer so ein bisschen vermissen. Jacques Delors hat mal gesagt, einen Binnenmarkt kann man nicht lieben. Ich glaube, damit hat er recht. Und das versuchen wir über dieses Programm ein Stück weit auch zu kompensieren und zu zeigen, dass es darum geht, Menschen zusammenzubringen. For Erasmus, time passes in a different way than the other people. We have something special. That feeling that you are more open-minded than before, because you can meet a lot of people that had a different life in a different place in a different way. And you can see with their eyes the world, and I think this is really, really important. Maradunk az utazásnál. A következő riportunk alanya azonban nem az Unióból, hanem az Egyesült Államokból érkezett. A kék kártya rendszer még nem olyan elterjedt az Unióban, pedig remek lehetőségekkel jár. Lehetővé teszi ugyanis a szakképzett munkaerő vándorlását, ez pedig jót tesz a munkavállalónak és a munkáltatónak is. Egy példával magyarázzuk.
Oh, I've always been very interested in moving to Europe. I think a lot of it has to do with the quality of life here as well. An American citizen, Jason Kramer was offered a job by a Belgian pharmaceutical company in 2014. He moved to Belgium through the EU Blue Card scheme, one of only 19 people to do so that year. The card allows high-skilled non-EU workers to work in the bloc, bar three countries. Attracting talent hasn't been easy. Europe could need up to 756,000 skilled ICT workers and around 1 million healthcare professionals by 2020. The Blue Card is currently not very well known and it's not very well publicised by member states. Some countries prefer to use their own national system. And then there are some countries who simply don't take advantage of the system. In 2015, only 17,106 cards were issued, mostly by Germany. To increase its appeal, the Blue Card will be made easier to get. How? Lower salary threshold, shorter contracts. Help for graduates in sectors in need. This is a scheme which will not be about mass migration, it will be about targeted migration to fill a skills gap. With the revised Blue Card, Europe hopes to win over more of the world's best and brightest. Veszélyes és káros tartalmú videók, reklámok, a gyerekek az interneten mindent megtalálnak. Kinek a feladata megvédeni őket? Mutatjuk az Európai Unió válaszát a kérdésre. A műsor végén jöjjön a desszert, sütikről lesz szó, igaz, nem az igazikról, hanem az internetesekről. Bizonyára önöket is idegesíti az, amikor minden internetes oldalon apró ablakok bukkannak fel, és arról tájékoztatnak, hogy az oldal sütiket használ. Ha minden igaz, az unióban élők ezektől megszabadulhatnak, de hogy pontosan mik is azok a sütik és mire valók, most megmutatjuk. The European Parliament is legislating on cookies, and no, not the kind you can dip in milk. It's a small piece of data aimed to make your life easier. It remembers your login details, what's in your shopping cart, or which articles you've already read. But cookies can also help advertisers choose which ads work best. Currently, when you go to a website, an annoying little banner pops up to ask whether you're okay with cookies tracking your behavior. New European legislation in the pipeline wants to make it simpler. You'll be asked just once by your browser whether you accept cookies for all websites and apps. The so-called innocuous cookies that do not store personal information will not require the user's consent. News publishers welcome the modernization of the consent system, but they're also skeptical. They argue that creating a general on-off switch will leave them in the dark about their own users. They're afraid that this would concentrate more data power into platforms and browser providers such as Facebook, Google, and Apple. A .eu-t ebben az évadban nem hetente, hanem két hetente láthatják. Addig is keressenek meg minket honlapunkon, a pannonrtv.com oldalon a műsoraim főre kattintva. Várom önöket legközelebb is, további kellemes tévénézést, viszontlátásra!